Salut à tous, c'est Aurore et Morph le Noob. Salut. Sur Civilization 5, dans notre troisième partie cette fois-ci. Bon, on a bien l'air d'être seul sur ce continent, mais c'est pas grave, on va faire avec. Et pour l'instant, on galère un peu avec les barbares, notamment ce guerrier qui est dans la mouise. Mais pas de panique, tant qu'il est retranché, il a un bonus défensif. Donc même si tu te fais attaquer, c'est toi qui vas gagner les combats. D'accord. Donc pour l'instant, vaut mieux Turtle, en attendant que tu puisses lui amener des renforts. Et bon, là par exemple, ceux-là ils vont m'attaquer, sûrement? Ouais, alors ceux qui sont dans le camp, en général ils préfèrent défendre le camp donc ils vont pas t'attaquer. Okay. Mais ceux d'à côté, il y a des chances, ouais. D'accord. Et il y en a d'autres qui vont spawner là ou... Il y en a d'autres qui spawnent à intervalles réguliers. C'est combien? Ça varie, mais en général, ouais, c'est peut-être. Ça doit être une dizaine de tours le spawn d'un barbare. Ok, d'accord. Donc peut-être que tu vas te retrouver avec un troisième barbare sur le dos avant que t'aies pu amener des renforts. Sans doute, sans doute. D'ailleurs, ça peut valoir le coup d'utiliser nos sous pour nous aider, mais d'abord on va attendre que le tir à l'arc se termine et après on va peut-être acheter le guerrier ou l'unité qui va t'aider parce okay. que sinon ça va prendre trop de temps. Donc voilà, t'as une unité en attente, comme c'est marqué ici, tu peux cliquer dessus et ça t'amène à ton unité en attente qui va donc continuer son exploration vers le sud. Tu peux le contourner, le barbare. Ouais, lui il peut. Ah, tiens, il y a un camp, génial. Vas-y, avance de toute façon, au pire, si ton scout se fait battre à l'heure actuelle, c'est pas très grave. Ouais, vu okay. que manifestement il n'y a pas grand chose à explorer. Il n'y a vraiment personne sur cette île, hein, mis à part des barbares. C'est peuplé de moutons et de bisons. donc voilà, là, tu peux faire tour suivant. Qu'est-ce qui se passe? C'est les barbares. Voilà, il y a un campement à cet endroit-là. Ça va pas être facile. Hein. Ok, donc tu te fais attaquer, comme tu as vu. Ton scout devrait s'en sortir selon ta probabilité. Tu vois, il a pris 42. Et il s'en est sorti, tu peux te barrer, hein, du coup, je pense que ça va être ton plan, parce que là, le combat est pas trop envisageable. Donc, bah, retourne enlever les restes de Fog of War sur la droite, en espérant trouver quelqu'un. Ah, là, t'as pas pu te bouger de plus, parce que le barbare t'a un peu taclé, tu vois. D'accord, je vois. Attaque d'opportunité. Bah, c'est surtout que, ouais, il t'entrave ton déplacement, vu que t'es au corps à corps, c'est possible qu'il te tue. Il va me défoncer, du coup. Je sais pas si tu survis. Mais ouais, tu survis et du coup maintenant t'as suffisamment. Maintenant tu vas plus passer à côté de lui, tu vas partir de sa portée donc tu vas pouvoir te déplacer de deux et il pourra pas te suivre si tu vas là-bas. Normalement, voilà. Parce que du coup là t'es hors de son champ de vision, tandis que si t'étais allé ici, il aurait pu te suivre en passant par le désert. Enfin bref. Voilà. D'accord. Faut bien choisir les cases où tu vas, mais là t'es safe et tu vas pouvoir. Tant que t'es hors de son champ de vision, en théorie il va pas t'attaquer. Il peut te poursuivre, mais il va pas te choisir comme cible à travers le Fog of War, tu vois. Ok, je vois. Là où un joueur peut d'abord faire un pas, regarder où l'IA est, et ensuite attaquer. L'IA, il fait pas ça, il fait deux pas et il réfléchit pas. Ok, d'accord. Voilà. Là, je passe le tour encore? Ouais, ça se résume beaucoup à passer le tour, hein, un jeu de gestion. Alors, oui, une nouvelle chose qu'on voit. Une civilisation inconnue vénère désormais un panthéon de dieux. Elle a choisi une croyance, dieu de la mer, plus simple production pour les bateaux de pêche. Ce qui me laisse penser qu'il y a de grandes chances qu'on soit sur une map de type archipel. On est sur Fractal, mais ça a l'air de ressembler à de l'archipel. Donc, eux, ils ont choisi un panthéon très maritime. Et nous, plus tard, on va peut-être choisir un panthéon aussi. Le panthéon, on l'obtient en gagnant de la foi. Il faut avoir une certaine quantité de foi si tu mets ta souris là. Sur la petite colombe, tu vois qu'il faut 15 de fois pour fonder le prochain panthéon religieux. Toi, t'as 0 actuellement. Ils disent une civilisation inconnue, c'est-à-dire c'est d'autres, les adversaires en fait. Ouais, c'est des adversaires. Qui ont déjà un panthéon. Ouais, alors ils sont partis full foi ou comment? Ça veut dire que probablement ils ont une civilisation très axée sur la foi, ouais. Moi, si je devais miser sur quelqu'un, ça serait soit les Celtes, soit les Éthiopiens, à mon avis, qui sont dans cette partie. Okay. Parce que c'est deux civilisations qui ont un panthéon très tôt. Toi, il faudra t'attendre d'avoir un hôtel, et on n'y est pas encore. Mais pourquoi ils sont là, eux? Eux, ils te poursuivent parce qu'ils veulent attaquer ta ville, et je te conseille de t'abriter dans ta ville avec ton scout si tu veux pas qu'il meure. Donc là, ouais, tu vas courir droit vers la ville, en passant par cette case-là, je pense. Ça sera plus safe, sinon il peut t'atteindre. Tu vois, là, il peut pas t'atteindre. Si tu te mettais là, il pouvait t'atteindre. Ok. Faut qu'il puisse marcher sur la même case que moi, en fait, c'est ça? C'est ça. Par contre, il faut qu'on aille voir un truc avant. C'est ton barbare ou il en est? Enfin, ton guerrier. Ok, il s'est pas fait attaquer et il a régène. Mais il va probablement se faire attaquer bientôt. Quand t'es entre deux unités, t'as un malus de flanking. Tu vois, là, ça te fait modificateur bonus de contournement. Voilà, l'adversaire a un bonus de contournement qui fait qu'il va te faire plus 10% de dégâts. Ce qui est fâcheux. Ok, est-ce que si je les attaque... Ils peuvent me tuer si chacun des deux groupes m'attaque ensuite? Si tu les attaques, là tu perdrais à peu près 25% de ta vie à la louche.
Ce qui fait que même avec deux attaques derrière, tu survivrais. Le problème, c'est que tu serais très low life et rien ne dit que tu aurais le temps de te régénérer avant qu'il t'achève, tu vois. Ok, donc qu'est-ce que je dois, qu'est-ce qu'il est mieux que je fasse ? Soit tu essayes de te déplacer, de passer là pour ne plus être flanqué, soit tu attends en te retranchant toujours avec la commande défense, état d'alerte, voilà, pour améliorer tes défenses en attendant des renforts, quoi. Je vais essayer de me déplacer là. Ok. Alors vas-y. Donc, tu t'es déplacé et du coup, normalement, t'es plus safe. Ici, on voit une notification avec une cible qui dit « Cusco peut attaquer un ennemi proche car tes villes ont une portée de 2 pour attaquer les ennemis. » Là, en l'occurrence, tu peux cliquer sur cette icône et choisir l'ennemi à attaquer pour lui infliger des dégâts et défendre ta ville. Voilà. Waouh. Ce qui fait des dégâts considérables et puis surtout, ça te permet... tant que t'as pas d'ouvriers, en fait, ta ville peut très bien se défendre toute seule contre les barbares. Le problème, c'est que les barbares, ils vont essayer de capturer tes ouvriers quand t'en auras. Ok. Et ça, ça sera embêtant. Donc lui, ben, mets-le à l'abri à la base pour qu'il se régène. Voilà. Et là, tu peux faire se retrancher jusqu'à la guérison. C'est là. Exact. Très bien. On va pouvoir enchaîner. Tour suivant. Exact. Donc, n'hésite pas à dézoomer pour avoir une vue d'ensemble un peu. Quand t'as deux unités comme ça, plutôt que de scroller, tu peux dézoomer aussi, ça marche aussi, voilà, tour suivant. Alors... Tir à l'arc, c'est pour bientôt. Ah. Ouais, tir à l'arc, c'est pour maintenant. Et juste au moment où t'as fini ta construction dans ta ville, donc ça tombe bien. Alors, lui, il a l'air de passer par derrière, mais vu qu'il y a une rivière entre toi et lui, il aura des malus s'il t'attaque, donc je pense que t'es assez safe pour attaquer cet adversaire. Hop, passe. Un pass, ça veut dire que ni toi ni lui n'êtes avantagé dans le combat. Mais en vérité, vu que lui il est plus de 1000 life, t'es avantagé dans le combat. C'est juste que vous vous enlevez à peu près autant. Ok, ok. Faut savoir que plus une unité est blessée, et moins elle fait de dégâts. Ah, d'accord. Bon à savoir. Ouais. Donc ici, pareil, ta ville va pouvoir attaquer. Lui, il est presque KO. Il doit sortir tout seul. Ouais. Alors, on va choisir, je re-choisir une technologie. Exact. Donc là, c'est pareil, ça va être à toi de choisir. En sachant que, voilà, par exemple, prendre écriture ou calendrier, c'est très bien pour certains avantages, mais derrière, ça débloquera que des trucs qui seront pour longtemps après, alors que les technologies plus à gauche, plus en bas de l'écran, te débloquent des technologies plus rapidement. À l'heure actuelle, t'as quoi autour de ta ville ? On va regarder, reviens en arrière. Donc on a dit, oui, on a du sucre et des épices. Les deux demandent des plantations pour marcher. Et pour pouvoir faire des plantations, il est nécessaire d'avoir le calendrier. Ok, donc on va partir là-dessus. Donc, tôt ou tard, il faudra faire ça. Maintenant, tant que t'as pas d'ouvrier, de toute façon, tu pourras pas faire ta plantation, mais il faudra prendre le calendrier. La question, c'est est-ce que tu préfères faire d'abord élevage, exploitation minière ou calendrier ? C'est les trois vraiment essentiels à l'heure actuelle. Bon, on va faire l'élevage d'abord. Ouais. C'est un bon choix, comme ça tu pourras détecter des chevaux, et si t'en as autour de ta ville, ça va te permettre d'avoir des bonnes cases à travailler, etc. Ok, et ça c'est nouveau projet de construction. Ah oui. Voilà. Alors. Et là du coup, ça va être le moment pour le frondeur, qui va aider tes copains. Eh oui. Ah oui, ou on voulait peut-être l'acheter, donc on va voir, tiens, clique sur ta ville, et fais acheter en bas à gauche, pour voir combien coûte un frondeur, ça coûte 200. Ça coûte 200, je suis à 163. Sachant qu'il te faut 10 tours pour faire ton frondeur, t'auras gagné 30 d'or d'ici là. Autant l'acheter en fait. Autant l'acheter tout de suite. Non, je peux pas l'acheter. Non, t'as pas assez. T'as pas assez, mais je veux dire, d'ici à ce qu'il soit fini, t'auras de quoi l'acheter quasiment. Donc autant utiliser. Ou alors, enfin, c'est à toi de voir en fait. Tu pourrais décider de l'acheter tout de suite pour, enfin, de, pardon, de l'attendre dès que possible. Quoi. Voilà, de l'acheter dès que possible et en attendant de mettre ta production sur un autre truc comme un bâtiment, ou tu peux choisir au contraire de le construire comme ça et de gagner, de garder tes sous pour ensuite en construire un deuxième peut-être, ou je sais pas. Comment je fais pour annuler alors la construction du frondeur que alors j'ai? Alors dans ce cas, tu fais produire ici. Non, oui c'est ça, produire, et tu peux choisir autre chose à faire à la place. Donc l'hôtel pour gagner de la foi, le grenier pour avoir plus de nourriture, mais 15 tours c'est un peu long. Donc moi j'aurais fait à ta place un hôtel, maintenant le frondeur est aussi un bon choix. Hein. C'est vraiment. Non mais je pense qu'on va faire l'hôtel. Qu'on achètera le frondeur dans 3 tours. Dans plus de 3 tours, ouais. Dans une dizaine de tours, ouais. Mais voilà. On n'aura pas gagné de tours, mais on n'en aura pas perdu non plus, en fait, c'est ça l'idée. Ok. Et du coup, tu peux faire un retour à la carte. Personne n'a autre chose à faire. Non, c'est bon, ton guerrier, c'est fait. Alors, ton scout, pour l'instant, il se régène, hein, bien sûr, donc tu n'as pas besoin de t'en servir.
T'aurais pu achever le barbare, mais t'en as pas besoin à l'heure actuelle. Ok, ok. Je me refais flanquer là. Ouais, mais c'est pas grave. Comme je te dis, il est derrière une rivière, il a un malus. Et toi, si tu l'attaques, là, tu l'achèves. Selon toute probabilité. Tu devrais l'achever. Yeah. Ça a l'air, ouais. Et en rasant un campement barbare, t'as gagné 25 d'or. Ça, ah, mais ça va être rapide alors pour avoir le. Ouais, j'avoue, j'avais pas pensé à ce détail, mais ouais, ça va nous aider un petit peu. Et là, je peux plus rien faire avec. Non, voilà, il a fini son tour. Je peux pas lui dire de se régène, par exemple. Non. Il a le droit à deux actions, soit un mouvement et une attaque ou une régène, soit deux mouvements. Mais d'accord. Il peut pas faire un mouvement, une attaque et une régène, tu vois. Là, je les attaque. Ouais. Très bien. Donc tu t'en es débarrassé. Maintenant, ton scout, il va peut-être pouvoir finir son exploration tranquillement. Pour le petit coin de map qui reste, on ne sait jamais, il pourrait y avoir des gens. Mais à mon avis, ouais, t'es bien seul au monde. Donc je pars sur la droite, là. Ouais. S'il y a quelque chose, espérons quand même. Et t'as un nouveau citoyen dans ta ville, donc tu peux regarder ce qu'il a choisi de faire. Ici, il s'est mis sur le blé, ce qui est un très bon choix. Donc t'en as un sur le blé et un ici. T'as 11 tours avant ton prochain citoyen. Bon, maintenant que t'as eu un bonus d'or, du coup, t'as pas besoin de le booster. Moi, ce que j'allais te conseiller de faire, c'est de choisir un citoyen ici pour avoir plus d'or. Oui. Mais faut voir en fait combien de tours ça te fait perdre au niveau d'un nouveau citoyen si tu fais ça. Donc pour le savoir, tu vas cliquer sur le carré noir au-dessus de cette case. Vas-y. Hop, donc tu vois celui qui était là, il est passé là-bas. Et tu passes de 11 tours à 17 tours pour un nouveau citoyen. C'est pas top. Ouais, ça fait quand même perdre 6 tours. Il vaut mieux perdre de l'or pour le moment. Oui, du coup, quand tu verrouilles une. Voilà, quand tu verrouilles une case. Ok. Si tu veux déverrouiller, tu cliques sur ton centre-ville. Voilà, ça remet tout à sa place par défaut. Ok. Parce que quand tu choisis une case, l'IA, elle dit ok, t'as choisi, t'as la priorité sur moi, donc je laisse tes cases où t'as mis. Ok. Ouais. Très bien. Bon, ça c'est deux tours d'avant. Et ça, c'est... Petit détail, donc là on va utiliser notre or pour faire un frondeur. Moi j'aurais conseillé au début, dans d'autres circonstances, de l'économiser pour arriver à 500 pour acheter un colon en fait. Mais là ça sera pas nécessaire parce que t'auras tout le temps de le produire toi-même vu que de toute façon t'as pas de voisins. Enfin, c'est un peu le merdier là. Ah, peut-être qu'il y a des voisins là-bas. C'est possible. Alors, où sont les barbares? Ils sont plus là. Qu'est-ce que je fais avec ce guerrier? Je m'en fous. Il y en a un qui traîne encore, mais on s'en fout un peu. Tu peux le laisser tranquille. Donc, ouais, alors là, bah, c'est à toi de voir. Est-ce que tu veux essayer d'éradiquer le camp barbare que tu as trouvé tout à l'heure? Est-ce que tu veux accompagner ton éclaireur avec ton guerrier pour l'aider? Est-ce que tu veux juste le laisser à ta base? Je vais venir là avec mes beaux guerriers. Ok, alors fais donc ça. Donc là, t'es midlife pour l'instant, tu pourras te régénérer en temps voulu. Ouais. T'as deux nouvelles choses qui se sont produites, donc, enfin, le barbare, on s'en fout, ça c'est un camp barbare qui vient d'être découvert à cet endroit-là, et une doctrine. La doctrine survient quand tu franchis un certain cap en culture. Ouais. Donc ici, grâce à ton monument, tu gagnes maintenant plus 3 en culture. Hein. Ton monument, il donnait 2 en culture, oui. Et t'avais 1 par défaut, donc voilà, t'as plus 3. Ok. T'as atteint 25 et quand t'as atteint 25, c'est un palier qui ça permet débloque une doctrine. De débloquer une doctrine. Les doctrines, ça marche par arbre. Tu dois choisir un arbre de doctrine parmi tradition, liberté, honneur et piété au début. Et en débloquant des nouvelles aires, tu vas débloquer de nouvelles doctrines. Mais voilà, au début, c'est ça. Ok. Pour faire simple, tradition, c'est pour les empires avec peu de villes, mais beaucoup de citoyens. Ouais. Liberté, c'est pour les empires avec beaucoup de villes. Et moins de citoyens. Oui. Honneur, c'est pour la guerre, pour se débarrasser des barbares ou des civilisations adverses, pour améliorer son expérience, tout ça, enfin bref, pour la guerre. Ok. Et piété, c'est pour la religion. En début de partie, la religion, c'est fort, mais pas au point d'en faire une doctrine sociale. Donc en général, on prend pas la piété en opener, en première doctrine. Ok. On va plutôt choisir parmi les trois autres. Toi, t'as pas de voisin, donc l'honneur, autant dire que c'est pas ta priorité. Donc, il va falloir choisir entre un empire qu'on appelle large, wide, où on va faire beaucoup de petites villes, ou un empire tall, grand, on va faire peu de villes, mais avec beaucoup de citoyens. Et là, c'est à toi de voir, et en fonction de ta configuration, en fait. Donc, on va revenir sur la map avant de choisir cette doctrine. Et regardez un peu les alentours de ta ville, donc tu peux dézoomer un peu là pour qu'on voit un peu dans l'ensemble. On a quoi d'intéressant? On a quelques ressources sympas au nord, avec ici, côte ouest, quelques trucs, des poissons, des épices, du sucre, tout ça, ça sera bien de les exploiter, donc il faudra une ville par là.
Ouais. À droite, on a du sel, ce qui est très bon, des bananes et des cervidés. Donc pareil, une ville à l'est. Donc ces deux côtés-là sont des endroits où tu vas faire des villes. Au sud, c'est un peu pauvre, il y a du désert, bon, de la pierre, c'est pas top, des moutons, ça ne nous donne pas de ressources de luxe, tout ça, c'est des ressources neutres. C'est même pas des ressources stratégiques, c'est juste des ressources qui ne sont pas très intéressantes. Ouais. On a l'encens, qui est pas mal, avec les bisons et les moutons et les poissons aux alentours, c'est pas mal, donc on va sans doute faire une ville par là. Mais au total, ça nous donne 1, 2, 3, 4 villes. 4 villes, c'est pas ce qu'on appelle un empire large, tu vois, c'est un empire... Plutôt petit, donc... Ouais, c'est ce que je me disais aussi, de toute façon, je crois que c'est tradition. Exact. Donc la tradition, et on voit que quand on adopte la doctrine tradition, ça augmente considérablement la vitesse d'expansion des frontières d'une ville et fournit 3 de culture à la capitale. La tradition débloque également les jardins suspendus, ça c'est pour faire une merveille plus tard. Okay. Mais donc tu vois que ta capitale va grandir plus vite grâce à ça, et le but c'est vraiment d'avoir une capitale richissime et très très forte. Voilà. Savoir quelle est la stratégie adoptée par la plupart des joueurs qui jouent en niveau de difficulté très très élevé, c'est de commencer tradition parce que c'est vraiment des bonus conséquents en début de partie qui permettent de rattraper un peu les bots. Ok, je vois. Voilà. Et donc après, prochain palier dans 30, tu gagnes 6 par tour, donc ça sera dans 5 tours. Ok. Et tu pourras choisir une des cases de cet arbre des doctrines. Ok. Voilà. Bon. Eh ben, on arrive au bout de cet épisode. Du coup. Ouais. Pour la suite, tu sais quoi, on va peut-être passer quand même encore 2 tours juste pour acheter le frondeur. Juste pour acheter le frondeur. Ouais, alors, parce que sinon, on va l'oublier. Alors, du coup, je l'ai fait. Ouais. J'ai fait les descendre histoire de voir s'il n'y a pas. Gauche, ouais, par là. Très bien. Ah, tu vois, il y a encore du. Il y a encore de. Il y a encore des trucs. Eux, je les avais de là. Ouais, eux, ils vont continuer leur chemin petit à petit pour rattraper. Ah oui, il y a une rivière. Il y a une rivière, okay. Donc ça entrave. Tour suivant. Voilà. Là, tu commences à choper le rythme. Encore un panthéon fondé par une civilisation inconnue qui a choisi les croyances de la déesse des festivals. Donc, du vin et de l'encens et des ressources qu'on trouve généralement dans des zones un peu désertiques. Oula. Donc, c'était pas ça du tout que je voulais faire. C'est pas grave, tu t'es déplacé. C'est pas grave, au prochain tour, tu pourras prendre la ruine. Donc voilà, du vin et de l'encens, c'est-à-dire qu'il y a du désert dans d'autres îles aux alentours. Et oui. Je vais peut-être mourir. Non, ça va. Donc là, tu recules. Tu sais quoi, un éclaireur, tu t'en. Alors voilà, l'éclaireur a monté d'un niveau. On s'en fout un peu de ces améliorations dans le sens où c'est soit survie pour se régénérer quand on est hors d'un territoire allié, c'est pas mal, mais pas obligatoire. Et champ de vision. Ah, champ de vision, c'est cool. Champ de vision, c'est cool, mais vu que t'as pas l'air d'être sur un terrain qui a encore beaucoup, beaucoup c'est de vrai. Place, moi je te conseillerais de te régénérer immédiatement pour être sûr de pas mourir et de prendre Irwin. Et ah bah tiens, t'as eu des armes équipées, des armes avancées, t'as décidé de t'en équiper, donc ton unité est désormais retourne dessus si tu peux. Ah non, ça marche pas, c'est les unités en attente qui scrollent ici. Un frondeur, donc voilà, ton scout est devenu un frondeur. Ah, cool. Donc ça t'en fera 2 quand t'auras acheté le tien, ce que tu vas faire. Ce que je vais faire tout de suite. Voilà, et on va clore cette c'est acheté, frondeur. Exact, et voilà. Il est dans ta ville. Donc je peux le bouger ou pas? Non, il faut l'acheter. Ok. Et là, tu commences à être pas mal niveau militaire. Tu vas pouvoir clean les barbares tranquillement. Te mettre bien. Et on va s'arrêter là. Ok, on arrête là alors. Ouais. Donc, on vous retrouvera dans le prochain épisode bientôt. En espérant que ça soit assez intelligible, hein, je sais pas trop. Mais là, ça m'a l'air pas trop mal. Mieux que quand je le fais tout seul déjà. N'hésitez pas à commenter en tout cas pour nous dire ce qui va et ce qui va pas. Et voilà. À la prochaine. À bientôt.